Bonjour, ici Caroline Aubert, votre hypnothérapeute. Je suis ravie de t'accueillir dans cette séance d'hypnose spirituelle, transformationnelle, dans laquelle tu vas pouvoir rencontrer le dragon d'air ainsi que les sages pour te permettre une plus haute perspective par rapport à une problématique que tu peux rencontrer actuellement dans ta vie. Tu vas pouvoir prendre de la hauteur sur cette problématique, t'ouvrir au possible et régénérer ton souffle de vie. Et pour cela, je t'invite à t'installer dans un endroit calme, à prévenir les gens autour de toi s'il y en a, à ne pas te déranger pendant toute ta séance, à prendre un casque aussi pour recevoir le son directement dans tes oreilles. Tu peux également mettre ton téléphone en mode silencieux si tu écoutes cette séance depuis ton mobile pour éviter d'être dérangé par des appels impromptus qui arriveraient pendant la séance. Et puis, tu peux choisir une position dans laquelle tu te sens bien. Une position assise, une position semi-couchée. En tout cas, une position dans laquelle tu es sûr de ne pas t'endormir. Et puis, tu peux également déposer quelque chose sur tes yeux pour inviter plus d'obscurité derrière tes paupières. Et à présent que tu es bien installé, je t'invite à entrer progressivement à l'intérieur de toi. Et pour cela, tu le sais, que fermer les paupières aide à se couper du monde extérieur pour venir dans son monde intérieur. Et puis tu peux prendre une grande inspiration et expiration. Et à l'inspiration, tu peux ressentir que tu commences à prendre contact avec l'élément air. Et à l'expiration, tu peux ressentir que tes tensions s'évacue tranquillement. Tu peux inspirer et ressentir l'air à l'intérieur de toi. Expirer et laisser les tensions s'évacuer. Peut-être y a-t-il une zone de ton corps qui est un peu plus sous tension. Et je t'invite à porter un instant ton attention sur cette zone, à l'accueillir complètement. Tu peux inspirer à l'intérieur et expirer pour la laisser circuler. Et je t'invite à pleinement te concentrer sur le son de ma voix et sur la musique de fond. En te concentrant sur le son de ma voix et sur la musique de fond, tu te coupes un peu plus du monde extérieur. Et puis je t'invite à pleinement prendre conscience de l'élément air présent à l'intérieur de toi. Et tu peux ressentir cet élément à l'intérieur de tes pieds. Et tes pieds se détendent à l'aide de la présence de cet élément air. Et cet élément air va monter progressivement dans ton corps pour permettre à ton corps de se détendre. Tu ressens tes pieds qui se détendent, puis tes jambes, le bas de tes jambes, le haut de tes jambes.
Ressens comme l'élément air circule à l'intérieur de tes jambes, jusqu'à ton bassin. Ton bassin qui est confortablement installé sur le support sur lequel tu es. Puis cet élément air arrive dans ton abdomen. Peut-être tu peux ressentir que ton abdomen est comme un ballon gonflé d'air et qui se détend. Et cet air continue de monter dans ta poitrine et permet à ta respiration de devenir plus lente, plus profonde. Et il continue son chemin dans tes épaules. Tes épaules qui se détendent, qui se relâchent. Ressens cette sensation de relaxation à l'intérieur de tes épaules. Puis dans tes bras, le haut de tes bras, le bas de tes bras, jusque dans tes mains. Ressens la présence de l'élément air dans tes bras et dans tes mains et ressens leur relâchement. Et puis cet élément air continue son chemin et tu peux le ressentir maintenant dans ton cou qui se détend, tout comme ton visage qui se remplit de cet élément air, l'invitant à se relâcher, à se relaxer, ainsi que tes paupières détendues l'une contre l'autre, et ta mâchoire qui peut être légèrement entrouverte pour que tes dents ne se touchent pas entre elles. Et tu es toujours pleinement conscient du son de ma voix et de la musique de fond. Et cet élément air t'aide à descendre de plus en plus à l'intérieur de toi. Et à présent, tu te vois en haut d'une montagne. Tu es là. Tout en haut d'une montagne. L'herbe est verte. Peut-être y a-t-il quelques arbres ici et là. Le soleil brille dans le ciel. Mais la température est agréable, comme tu l'aimes. Tu es là en haut de cette montagne, tu peux faire quelques pas pour ressentir la sensation que procure le fait de marcher en haut de cette montagne. Tu regardes la vue qui s'offre à toi, cette belle vue qui s'étend loin, loin, loin. Peut-être tu peux voir des villes, des villages, des lacs. Et puis tu regardes le ciel. Et dans le ciel, tu peux voir quelques nuages qui sont là. Et puis des oiseaux, des rapaces. Qui vole et tu te sens bien, tu te sens en totale sécurité, en totale confiance. Et puis tu continues de marcher, tu ressens la sensation de tes pas en train de marcher. Et tu te vois
Comment es-tu habillée? Est-ce que tu portes des chaussures ou peut-être es-tu pieds nus? Et tu continues de marcher. Et en marchant, tu sens tes pieds qui s'ancrent dans la terre. Tu ressens comme des racines qui relient tes pieds à la terre. L'énergie de la terre qui vient en toi par tes pieds et qui t'apporte de la force, de la présence. Et puis tu ressens que le vent commence un petit peu à se lever. Le vent se lève gentiment, tranquillement. Juste ce qu'il faut pour comme créer un vortex d'air autour de toi. Et tu accueilles cet air. Tu accueilles cet air à l'intérieur de toi. Tu l'accueilles dans tes pieds que tu ressens encore plus détendus, puis dans tes jambes, le bas de tes jambes, le haut de tes jambes, encore plus détendus, et en ressentant cette sensation, en haut de la montagne, tu décides de t'asseoir. Peut-être se trouve là un rocher agréable, sur lequel tu vas pouvoir tranquillement t'asseoir. Et tu ressens que ton bassin est confortablement installé sur ce rocher. Et alors tu peux continuer de pleinement t'ouvrir à la présence de cet élément air à l'intérieur de toi. Et tu ressens ton abdomen qui se détend encore plus à l'aide de cet élément air. Et ta poitrine, avec ta respiration qui devient encore plus lente, plus profonde. Et tes épaules qui se détendent encore plus. Tout comme tes bras, le haut de tes bras, le bas de tes bras et tes mains qui sont encore plus détendues. Et cet élément air s'invite à présent dans ton cou. Ton cou qui est encore plus détendu. Et dans tout ton visage qui est encore plus relaxé, relâché. Tes paupières et ta mâchoire également. Et tu es là et tu es bien, en haut de ta montagne, confortablement installé sur le rocher. Et puis tu tournes légèrement ta tête et là tu aperçois une montgolfière qui est là, juste une montgolfière. Tu ne l'avais pas vue avant, mais maintenant tu vois une montgolfière. Le ballon de cette montgolfière est rouge, orangé. Et il y a une nacelle et tu te sens l'élan d'avancer vers cette montgolfière. Alors tu te lèves de ton rocher et tu avances vers cette montgolfière. Et tu arrives à cette montgolfière et tu décides d'entrer dans la nacelle. Tu es là dans la nacelle de cette montgolfière.
tu vois que des sacs sont accrochés à cette nacelle. Tu vois le premier sac. Et dans ce premier sac, tu comprends que se trouve là la sensation que te procure cette difficulté actuelle dans ta vie. Alors, tu rentres en symbiose avec ce sac et tu décides de le détacher de la nacelle. Alors, tu détaches le sac de la nacelle et la montgolfière commence à s'élever dans les airs. Tu te sens en parfaite sécurité. Tu es plein de joie de commencer à monter dans les airs. Tu trouves cela particulièrement exaltant et amusant. Et puis tu vois qu'il se trouve là un deuxième sac qui comporte un élément de ta problématique. Alors tu décides de prendre conscience de ce qu'il y a dans ce deuxième sac et de le détacher de la nacelle. Et tu le détaches de la nacelle, ce sac s'en va et la montgolfière continue de monter encore plus haut. Et pareil, tu reviens et se trouve là un troisième sac. Et tu comprends qu'à l'intérieur de ce troisième sac se trouve un autre élément de ta problématique actuelle. Alors, tu n'as pas forcément besoin de comprendre exactement ce que c'est. Simplement, tu sais qu'il s'agit d'un élément de ta problématique actuelle. Alors, tu décides de détacher ce sac de la nacelle. Et ce sac s'en va. Et la montgolfière monte encore plus haut. Et puis tu vois qu'il se trouve un quatrième et dernier sac. Et pareil, tu sais qu'il contient un élément de ta problématique actuelle. Alors tu décides de le détacher. Ce sac tombe. Et la montgolfière continue de monter. Tu es haut maintenant. Tu es haut et tu vois encore mieux la vue sur les villages, les lacs qui se trouvent ici bas. Tu as même de la hauteur par rapport à là où tu étais tout à l'heure en haut de la montagne. Et tu te sens tellement bien, tellement léger. Et puis tu décides d'appeler les dragons d'air. Alors, à partir de ton cœur, tu appelles les dragons d'air et tu vois que les dragons d'air arrivent. Tu les vois là dans le ciel. Ils arrivent vers toi dans une danse joyeuse, légère. Tu ressens tellement de pureté dans cette danse. Peut-être tu peux voir une énergie arc-en-ciel dans le ciel qui laissent sur leur passage, et ces dragons, pleins de volupté et de joie, arrivent vers toi. Tu es émerveillé, ton cœur grand ouvert à la joie de les voir. Et puis il y a un dragon qui se rapproche de toi. Et ce dragon qui se rapproche de toi te regarde, il est là face à toi. Et tu ouvres complètement ton cœur à ce dragon et tu ressens que ce dragon dépose son amour dans ton cœur. Tu ressens tout cet amour incroyable de la part de ce dragon. Et tu te sens tellement bien. C'est tellement bien, tellement bon de se sentir pleinement accepté et aimé. Alors ce dragon commence à souffler son énergie blanche et bleue à l'intérieur de ton cœur pour le nettoyer, le libérer de la tristesse, de la peur, la frustration,
la colère. Il souffle son énergie jusque dans ton cœur et tu ressens pleinement la joie et l'amour qui sont là à l'intérieur de ton cœur. Et puis ce dragon continue de souffler et il souffle dans ton troisième œil, dans ta tête, et en soufflant il te nettoie de tous tes blocages énergétiques, des fréquences basses dont tu n'as plus besoin, des pensées négatives, des schémas de pensée qui t'empêchent d'avancer ou de voir de nouvelles solutions par rapport à ce qui se passe dans ta vie. Ce dragon, en soufflant son énergie, nettoie complètement ton chakra du troisième œil. Et toi, tu ressens cette énergie nettoyée et purifiée à l'intérieur de ton troisième œil. Et tu ressens que ton troisième œil nettoyé maintenant, que tu as comme de la place pour recevoir de nouvelles idées et perspectives, pour pouvoir avancer dans ta vie. Et ce dragon d'air continue de souffler sur toi. Il balaye l'entièreté de ton corps pour le soulager, le purifier. Toi, tu ressens ce souffle du dragon d'air à l'intérieur de ton corps. Tout ton corps. Tu ressens comme ce souffle répare, guérit tout ce qui est prêt à l'être. Tu ressens soulagement, apaisement, douceur. Et ce dragon d'air continue de souffler. Il souffle aussi sur ton âme pour apaiser et guérir les blessures de ton âme, pour te permettre de retrouver vitalité. Et toi, tu ressens cette vitalité nouvelle, cette joie, cette légèreté, cet amour à l'intérieur de toi. Et cela te donne envie de souffler à ton tour sur ce dragon. Alors tu souffles sur lui, comme un échange d'amour qui circule entre vous deux. Et tu peux aussi ressentir vos respirations qui s'harmonisent, vos cœurs qui battent à l'unisson. Tu te sens tellement bien avec ce dragon. Tu te sens allégé, plein d'allégresse. Et ce dragon se rapproche de toi et il t'invite à monter sur son dos. Alors tu montes sur son dos, tout en confiance et en sécurité. Il commence à s'envoler avec toi. Et tu es là et tu rigoles et c'est tellement, tellement bon de voler sur le dos de ce dragon, de jouer avec lui dans les airs. Et tu t'envoles. Et vous montez de plus en plus haut. Et cela te donne une encore plus haute perspective sur ta vie. Un changement de focus, un changement de regard. Et tu montes sur ce dragon, avec ce dragon. Et vous montez de plus en plus vite, de plus en plus vite. Au-delà des nuages et du ciel. Et là, tu vois des nuages arc-en-ciel qui sont absolument magnifiques. Et le dragon t'informe que là-bas, il y a un cercle des sages et il te demande si tu veux les rejoindre. Bien sûr, tu acceptes. Alors, vous avancez. Vous avancez et là, il y a comme une bâtisse, une sorte de temple. Une porte devant toi
Et le dragon te propose de descendre de son dos pour pouvoir ouvrir cette porte et il t'attend là. Es-tu ok? Tu prends la poignée de cette porte dans ta main et tu essayes d'ouvrir cette porte, c'est un petit peu lourd, mais tu finis par y arriver. Et tu passes la porte et là tu arrives et tu vois un temple magnifique, des fontaines, de l'eau qui coule, l'élément air qui semble bien présent également. Peut-être tu peux voir des licornes et tu avances et là tu vois des sages habillés en bleu et en blanc. Ils ont une longue barbe blanche. Ils se retournent vers toi et te proposent de les rejoindre. C'est comme s'ils t'attendaient déjà, qu'ils savaient que tu allais venir et qu'ils savent pourquoi tu es là. Et il y en a un qui s'avance vers toi, qui te prend dans ses bras. Et bien sûr, tu es en joie de recevoir cet amour de la part de ce sage. Et il t'invite à prendre ta place au centre de leur cercle. Et puis, il y en a un qui commence à parler et qui t'apporte guidance, conseil. Pour avancer dans ta vie et dénouer ce blocage actuel que tu rencontres. Peut-être il peut aussi t'aider à comprendre pourquoi tu vis ce blocage et comment le dénouer. Alors je vais te laisser un moment pour te permettre d'écouter leurs conseils et leur guidance. Et je reviens te chercher juste après. Là, à présent, les sages ont parlé. Tu te sens bien, rassuré, en confiance. Tu sais quoi faire et comment faire. Et un des sages s'avance vers toi et il souhaite te remettre quelque chose. C'est une clé. Une clé de résolution. Une clé énergétique, bien sûr. Et cette clé s'installe à l'intérieur de ton cœur. Alors tu remercies, tu leur rends grâce et tu les salues pour leur dire au revoir. Et tu retournes vers la porte. Tu passes la porte et tu retrouves ton dragon d'air. Tu remontes sur son dos. Et puis, ce dragon te propose à présent, si tu souhaites envoyer cette énergie sur ta problématique, sur peut-être les différents protagonistes qui font partie de ta problématique ou les différents éléments. Et bien sûr, tu acceptes avec légèreté, rire, joie. Alors, ce dragon s'envole. Il s'envole et il descend, il descend, il descend, vous descendez. Vous vous rapprochez de plus en plus près de la terre, du lieu où tu habites. Et peut-être vous pouvez aller au-dessus des maisons, des personnes qui font partie de ta problématique ou des différents protagonistes.
pour envoyer cette énergie magique, blanche et bleue, afin d'aider à la résolution de ta problématique. Vous volez comme cela au-dessus de tous ces points qui sont importants pour envoyer cette énergie. Vous êtes tellement bien tous les deux, c'est tellement confortable, agréable, joyeux. Et puis, vous avez envie tous les deux d'aller plus loin, de faire plus large, d'envoyer cette énergie tout autour de la Terre, sur chacun des habitants, la nature, et vous virevoltez dans les airs en envoyant cette énergie. Vous riez, vous jouez, vous êtes tellement bien, tellement bien. Et puis le dragon t'emmène jusque là où se trouve ton corps. Alors, vous arrivez jusque là où se trouve ton corps. Tu descends de son dos. Tu le prends dans tes bras. Vous faites un énorme câlin et il te dit que dès que tu as besoin, surtout, de l'appeler, qu'il sera toujours là pour toi. Vous êtes liés pour l'éternité. Tu es tellement ému d'avoir ce nouvel ami qui va pouvoir t'aider dès que tu en auras besoin. Vous vous serrez fort, très fort. Et tu sais qu'il est toujours là dans ton cœur et qu'à tout moment tu peux le retrouver. Voilà, et puis tu te retrouves dans la pièce dans laquelle tu es. Tu retrouves ton corps. Et tu vois la problématique résolue. Tu vois les images devant toi de ta problématique résolue. Tu as réussi à la résoudre. Et tu en reçois toutes les ressources, tous les apprentissages. Et tout cela est profondément présent dans ton inconscient. Tu as en toi tout ce dont tu as besoin pour te permettre d'avancer dans ta vie. Cela est profondément présent à l'intérieur de toi, dans ton inconscient, et tu vas pouvoir en bénéficier dès maintenant. Tu ressens beaucoup de gratitude dans ton cœur, tu remercies, tu te sens tellement bien. Tu sens que ce nouveau souffle de vie est vraiment présent à l'intérieur de toi. Tu sens que tu as retrouvé de la légèreté, de l'élan, de l'audace, du courage, de la joie de vivre. Tu te sens pleinement heureux et confiant. Et je te laisse profiter un instant de cela. Et tu peux respirer dans cette sensation. Cette sensation qui est là, bien présente à l'intérieur de toi. Et puis tu peux commencer à bouger tes doigts, tes orteils, à bâiller, à t'étirer, à ouvrir délicatement les paupières, te frotter le visage. Tu peux également te rappeler ton prénom, le jour que nous sommes et la ville dans laquelle tu es. Prendre une grande inspiration, expiration et ouvrir les yeux. Bienvenue à toi, bienvenue dans ta nouvelle réalité. Écoute, j'étais ravie de t'accompagner dans ce voyage. Je te souhaite un magnifique retour à ta réalité en prenant le temps. N'hésite pas à me laisser un commentaire sur cette vidéo, à la liker,
t'abonner aussi à notre chaîne en activant la petite cloche. Tu peux aussi partager cette vidéo sur les réseaux sociaux aux gens proches de toi pour qu'ils puissent également en bénéficier. Et puis si tu ressens le besoin d'une séance individualisée et complètement personnalisée pour aller transformer des blocages plus importants dans ta vie, surtout n'hésite pas, tu as tous les liens sous cette vidéo. Voilà, c'était Caroline et c'était un bonheur. À tout bientôt.